Bonjour à tous et à toutes. Et voici les prix de la nouvelle Zoé. Alors bon, maintenant les prix sont rendus publics, puisque à partir d'aujourd'hui, on peut préserver la nouvelle Zoé. On peut l'acheter. Donc, bah, toujours intéressant de connaître les prix. Et la différence par rapport à la Zoé actuelle, que l'on connaît, la deuxième génération, puisque apparemment il y aurait trois générations de Zoé. Celle avec la batterie de 22 kW, celle-ci avec la batterie de 41 kW et la nouvelle avec une batterie de 52 kW. Et la troisième génération, c'est vraiment la transfiguration de la Zoé. On va voir ça après. J'essaierai de faire une vidéo pas trop longue, mais ça va pas être facile. Hein. Donc, les prix. Je vais essayer d'y aller doucement. On voit qu'il y a les mêmes bases, les mêmes finitions proposées, plus une édition ON. Alors, il y en a qui disent ONE, moi je dis ON, comme il y en a qui disent LIFE, moi je dis LIF. Je prononce à la française. Est-ce que c'est gênant? On sait ce que ça veut dire. C'est pas grave, ce qui compte, c'est de se faire comprendre. L'accent, c'est l'accent, nous. Moi, je suis français, je suis en France. Hein, après tout, on va pas se bousculer là-dessus, hein, c'est pas grave. Non, c'est parce que j'ai eu quelques retours à ce sujet-là. Mais ça fait rien. Je m'adresse à qui? Je m'adresse à vous. Il y en a qui le diront, il y en a qui le diront pas. C'est pas grave, c'est principal, c'est amener une information. Et aux personnes qui en ont besoin d'informations. Si vous êtes maintenant plus d'une centaine sur ma chaîne, c'est parce que quelque chose vous convient. Par curiosité, par intérêt, pour avoir plus d'informations. C'est le but des chaînes YouTube. Moi, je suis un petit YouTubeur. c'est intéressant pour moi, c'est gratifiant de pouvoir partager ce que je sais. Et puis aussi faire partager, par l'intermédiaire d'autres personnes, leur propre expérience sur ma chaîne. Bah oui, c'est le but, hein. Je continue. C'est juste une petite parenthèse, hein. Excusez-moi. Donc on voit qu'il y a Alif avec le moteur R110. Le moteur R90 a disparu du catalogue, c'est fini. Donc maintenant on a un moteur qui commence à 108 chevaux réels, un moteur électrique, donc extrêmement puissant. Plus puissant que le moteur de ma Zoé par exemple, et de beaucoup d'autres. Alors les prix ne changent pas. Alors ça c'est impressionnant. Parce que vu l'évolution technologique, la finition proposée maintenant sur la Zoé, que Renault réussisse à conserver ce prix-là, d'accord, il y a des options. Mais ça, on verra après, ça se négocie. Il faut voir, ça se calcule tout ça. Mais l'avantage qu'on a en nous aussi, surtout pour les petits budgets, la majorité d'entre nous, c'est la majorité des Français, la majorité des Européens qui ont un petit budget. On ne peut pas mettre 35 000 euros d'un seul coup dans une voiture électrique, c'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment avoir les moyens, et ils ne sont pas nombreux ceux qui ont les moyens. Tant mieux pour eux. Mais pour la majorité d'entre nous, on a besoin d'avoir une location de batterie. On ne peut pas l'acheter la batterie tout de suite, cash. La batterie, on la paye à crédit, en quelque sorte, avec la location de batterie, qui nous apporte une sécurité supplémentaire. C'est que la batterie est changée si elle atteint 75% de ses capacités. Et en plus, si vous tombez en panne sur la route, c'est pris en charge gratuitement. Ça fait partie du contrat de la DIAC. C'est un plus. C'est pas négligeable. Alors, puisqu'on la paye, la version de base, à 23 900 euros, il faut retirer les 6 000 euros d'aide de l'État. Alors, oui, il faut les retirer. Hein. Ça la fait donc à 17 900 euros. Si vous avez l'aide de l'État concernant la reprise de votre ancien véhicule. C'est pas Renault qui va vous la reprendre. Hein. Ça, c'est à vous de faire les démarches nécessaires par rapport à vos revenus, vos impôts. Vous avez droit à 2500 ou 5000 euros, ce qui n'est pas rien. Bah, admettons, 6000 plus 5000, ça fait 11000. Vous les retirez de cette somme-là, ça vous fait la voiture à 12900. Une Zoé, troisième génération, à 12900 euros. Qui dit mieux? Ah, du j'ai vendu, on emporte. Ensuite, si on prend les finitions zen,
la finition zen. Elle propose, elle, deux moteurs au choix. Et il n'y a pas un grand écart par rapport à la différence de puissance. Ça, c'est impressionnant aussi. Et en fin de compte, on voit qu'il n'y a que 600 euros d'écart. C'est-à-dire que vous passez d'un moteur 110 chevaux à un moteur 135 chevaux. Attention, la puissance, elle commence à être parlante. Hein. Là, on rentre dans une catégorie, rien à voir avec le thermique, hein, ranger ça à la poubelle, c'est fini. La comparaison ne peut pas se faire avec un thermique. C'est clair et net. Si vous n'êtes pas convaincu, montez dans une voiture électrique, conduisez-la. Conduisez-la, la voiture électrique. Et là, vous allez vous en rendre compte. Sinon, c'est pas la peine. Je vais en parler 150 000 ans. Un million d'années après, on sera encore en train de discuter. Donc, c'est pas la peine, on laisse tomber. L'électrique, c'est vraiment le top pour ceux qui veulent se faire plaisir. Et je sais de quoi je parle. Et beaucoup d'entre vous aussi. Alors, pour les plus jeunes qui avaient passé votre permis sur une électrique, évidemment, pour vous, c'est un gâteau, ça. C'est la cerise sur le gâteau, parce que là, vous avez une voiture pas trop chère, neuve, hein. De toute façon c'est du neuf, hein. Il n'y a personne qui est monté dedans avant vous. Et ben, vous êtes content de retrouver ce que vous connaissez. Puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui passent leur permis sur une électrique, à ce qu'elles demandent, elles, c'est une électrique. Si elles n'ont pas les moyens, elles vont acheter une belle petite Zoé d'occasion avec un moteur comme j'ai moi, par exemple, un Q210, ben c'est parfait. Il est où le problème? Il n'y en a pas de problème. Faites-vous plaisir, pour pas cher. Ça aussi, il faut en parler. C'est beaucoup moins cher que le thermique. Alors, toujours les aides à retirer. Hein. Et ensuite, on a la version intense. Alors, la version intense, par rapport aux options qui sont maintenant proposées par Renault, oui, ce qui est beau, il y a quand même quelques options. Eh bien, la version intense, la version la plus cohérente. Ah, elle est plus chère que la version Leaf. De 5000 euros à peu près, un peu moins. Mais 4000 euros, oui, 4000 euros avec le même moteur, voilà. Mais elle englobe pratiquement toutes les finitions, toutes les options. Pardon. Donc ça veut dire que si on prend la Leaf et on rajoute les options, ça va pas devenir intéressant. Pas à ce point-là. Par contre, si on prend l'intense complète, eh bien, on a la voiture complète. On la paiera plus cher, mais attention, les LLD proposés par Renault sur ce modèle, sa troisième génération de Zoé, sont vraiment intéressants comme tout. C'est vraiment impressionnant. Ah oui, là, il y en a beaucoup qui vont partir sur une LLD. Si les ventes de la Zoé ont baissé au mois d'août, on sait pourquoi. C'est parce que beaucoup de gens ont reculé leur achat de la Zoé actuelle pour passer à la nouvelle Zoé. Et c'est logique. Puisque pour le même prix, vous avez une voiture avec qui n'a plus rien à voir. Il faut voir un peu l'assistance électronique qu'il peut y avoir. Il y a même l'aide à la conduite niveau 2. Hein, vous connaissez peut-être pas. C'est simple. Il y a un indicateur sur le tableau de bord. Ça fait une petite route avec une voiture dessus. Si ça passe au vert, ça veut dire que la voiture a détecté qu'elle a la possibilité de rouler de manière autonome. Vous lâchez le volant et le volant s'oriente suivant la route. Si un virage, elle prend le virage. Il faut être toujours prudent et toujours avoir les mains à proximité du volant. Il faudra le toucher peut-être toutes les 10-15 secondes par sécurité pour être sûr que la voiture détecte bien, que vous êtes bien conscient, que vous n'êtes pas endormi, etc. Il y en a qui bloquent le volant avec les genoux. Il ne faut pas tricher. Bon, c'est quelque chose de particulier. On le découvre en quelque sorte. Hein. Et maintenant, on a accès à une voiture grand public, une voiture électrique. Il faut faire attention. Bon. Donc le LD est très intéressant. Allocation de batterie. Ah bah alors, ils ont fait une promotion, dis donc, sur l'allocation de batterie. On va voir ça ensemble. Entre parenthèses. Ils peuvent fournir la batterie chez Renault. Vous ne voulez pas de location, vous voulez acheter la batterie. Pour ceux qui ont les moyens, il faut rajouter 8100 euros au prix affiché ici. Là, ce sont les prix sans batterie. Alors après, la voiture atteint une certaine somme. Et là, elle rejoint la concurrence. La nouvelle Peugeot, la nouvelle Citroën,
les coréennes, etc. Ce qui fait la force de la Renault, si elle se vend si bien, c'est parce que c'est grâce à la location de batterie. On ne l'achète pas cash. C'est tout. C'est d'une limpidité incroyable. Ceux qui n'ont pas compris l'intérêt, c'est parce qu'ils ont les moyens d'acheter la batterie avec la voiture ou de passer sur notre marque. Donc évidemment, ces personnes-là vont se poser des questions. Mais nous, la majorité, on n'a pas forcément les moyens, donc on fait avec. Eh bien, on prend la batterie en location. Ça fait un petit crédit en quelque sorte supplémentaire. Ce n'est pas un crédit. Hein, il n'y a pas de tout l'intérêt, tout ça. Non, non, c'est la location de la batterie. On l'achète pas, c'est pas à nous. La batterie, il faut la rendre après. Elle appartient à la DIAC, à la Renault. Je continue. Donc on voit, petite photo hein, que je rajoute. L'intérieur, donc on voit que l'intérieur, ça peut être modifié à volonté. Parce que le tableau de bord, en fin de compte, on peut afficher soit deux écrans ici, indicateur de vitesse, d'autres paramètres, soit le GPS au milieu, avec des indications d'autopilote, d'obstacles, puisqu'il y a des radars partout. Il y a un lidar à l'avant de la voiture, un radar, comme un avion de chasse en quelque sorte. Pour simplifier, il y a beaucoup d'options, une caméra qui filme tout, pour justement l'autopilote. Donc vous avez plein d'options, plein de possibilités. Vous avez donc détecteur de collision à l'avant, à l'arrière, et aussi quand vous faites une manœuvre, ça détecte devant, ça détecte derrière. Il y a des radars partout. Elle est englobée de radars. Ce sont des petits capteurs, des petites pastilles. C'est pas gros. Pas gros du tout. Tout est miniaturisé, simplifié. Ce qui fait que c'est moins cher. C'est accessible au grand public. Ce qui a été inventé il y a 5-6 ans en arrière et qui était accessible sur du premium, et bien maintenant, c'est accessible sur des voitures comme ça. Bien entendu. Là, on voit que c'est la finition haut de gamme. Donc, l'édition ON, par exemple, c'est la plus haute définition. Aura les sièges cuir. Donc, oui, ça fait une voiture luxueuse. On voit les prises USB, prises allume-cigare, chargeur à induction ici, pour le smartphone, un chouette petit sélecteur électronique ici. On a encore un petit manche sur la Zoé actuelle. C'est aussi un sélecteur électronique, hein, de toute façon. Et là, il est beau celui-là. Bien sûr, hein, ça se modernise. Les boutons. Climatisation, etc., automatique. Toujours une pompe à chaleur. Hein. De toute façon, Renault reprend les mêmes éléments. Les moteurs Renault, c'est bien Renault qui les fabrique. Tout est fait en France. Ça, c'est bien. C'est pas fait ailleurs. C'est fait en France. Bravo. L'écran, là, c'est un écran 9 pouces 3. Sinon, sur les versions inférieures, à partir de en dessous de l'intense, c'est un écran 7 pouces. À peu près ce qu'on a sur la Zoé actuelle. Donc vous avez des informations typiques à l'électrique que vous ne retrouverez sur aucun modèle thermique. Voilà. C'est-à-dire que les bornes, plein de choses, plein de paramètres sur le GPS vous indiqueront et tout ce qu'il y a à voir à proximité. Qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? Il y a des bornes et c'est compatible Android Auto. Voilà. Et Apple CarPlay. La planche de bord, c'est en tissu recyclé. Une partie des sièges sont en tissu recyclé. C'est bien. Très bien. Donc on voit quand même quels efforts de fait. Pour la finition, le volant est beau. Ah bah oui, ça il est chouette. Hein. Avec beaucoup de boutons maintenant. Bah oui, parce que vu qu'il y a plein de possibilités, il va falloir vous apprendre tout ça. Hein. Il y en a plein qui arrivent rapidement. Plein de personnes, et plus jeunes pour eux, c'est tout de suite acquis, parce qu'ils sont nés dans le monde, justement, de l'informatique et des boutons commande, hein. Pour eux, c'est très facile. Ils en redemandent de cette technologie, technologie d'affichage, technologie ici, ça, c'est ce qu'ils veulent. C'est une évolution de mentalité, hein. Ça rejoint beaucoup de choses, hein. Et c'est pas fini, ça ne fait qu'avancer, hein. Ceux qui n'arrivent pas à comprendre ou qui rejettent cette technologie, faut rester sur vos acquis. Hein. Si vous ne pouvez pas évoluer, ça c'est tant pis. Si vous ne voulez pas évoluer, là c'est dommage. Alors on continue, je montre la voiture vite fait, hein, deux photos. Donc on voit avec ces nouvelles jantes, donc des jantes de 16 pouces, 17 pouces,
Elles sont superbes. Elles vont très bien avec la voiture. La Zoé ne change pas de ligne d'apparence à part l'avant. Hein, on voit que l'avant a été modifié ici. Elle intègre des phares full LED et qui se déclenchent automatiquement entre code et longue portée. Déjà, vous n'avez plus de travail à faire à ce niveau-là. C'est la voiture qui gère. Ah, vous ne pourrez jamais oublier de passer un code quand il arrive quelqu'un en face de vous. Ah oui, c'est un peu la plaie, la conduite de nuit. Surtout quand c'est le début de l'hiver, les journées sont plus courtes. Il y a un temps d'adaptation, un temps de rodage. Et surtout, il y a beaucoup de citadins qui vont sur la route et qui sont pas habitués à passer rapidement de longue portée en code. Et malheureusement, on en profite, nous, en face, au passage. Moi et d'autres, hein. De toute façon, c'est sur la route. Moi, j'apprends tous les jours. Donc, je sais de quoi je parle. Et ça m'arrive aussi, moi, je ne suis pas infaillible, loin de là, de faire aussi des oublis de une seconde, 2 secondes. Et la personne en face, ah, s'est fait un coup de flash dans les rétines de l'œil, bah, ça ne fait pas du bien. Et bien, ce genre de voiture, c'est fini, on n'en parle plus. C'est elle qui gère. Et elles le font très bien, puisqu'y a du recul hein, sur ce genre de système. Donc, full LED. Vous n'allez pas vous occuper de la qualité de l'éclairage, je suppose que ça va être le top. Parce qu'avec la Zoé actuelle, il faut mettre des ampoules assez onéreuses pour retrouver un éclairage potable. Oh, ça ne va pas chercher bien loin non plus, hein, une vingtaine d'euros. Vous avez une paire d'ampoules de qualité. J'ai fait une vidéo là-dessus. Assez ancienne maintenant. Donc on voit la signature lumineuse, hein, feu de jour, on va la reconnaître facilement. Une autre chose. C'est que la prise combo, ah, la fameuse prise combo, parce que la Zoé n'est pas plus chère que l'ancienne, celle-ci, et on voit qu'elle est superbe. Oui, mais la prise combo, c'est une option. Oh là, attendez, oh là 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 là, ne criez pas tout de suite. On va voir ça ensemble. On va analyser un peu la situation. Vous avez vu mes vidéos sur les bornes? Ah bah je fais pas de cadeaux, hein. J'ai peut-être ma manière de m'exprimer qui peut pas plaire à certains. Je le comprends. C'est normal. Ah oui, je me mets à votre place, hein. Et des fois j'égratigne. Je suis assez incisif, hein. Je suis assez critique, oui. Mais pour la bonne cause. Pour essayer de faire. Bah, à mon niveau, je ne vais pas faire bouger les choses. Mais je m'adresse à qui, là? Bah à vous. Donc on voit que cette prise combo, 1000 euros pour toutes les versions. Voilà. De base, vous avez la prise type 2, 22 kW. Parfait. Et je dis ça, c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'on n'a que des bornes type 2. Dans mon département, chercher une prise Chalémo. Je vais repartir sur le Chalémo. Sur CCS Combo, et ben les prises CCS Combo, il n'y en a pas. C'est un département où il y a des milliers de personnes. Il y a des Zoé, j'en croise tous les jours, de plus en plus. Quelle importance d'avoir une prise combo s'il n'y a pas les bornes? Renault y a pensé à ça. Comme quoi, ils sont assez fins dans leurs calculs et leur logique. Moi, je suis d'accord avec eux. Pourquoi payer une prise? Pourquoi, si on peut gagner 1000 euros d'options, par exemple, ou baisser de prix de la voiture au détriment de cette prise? Bah, tant mieux. Je ne vais pas aller sur l'autoroute qui se trouve à côté de chez moi, à 20 km de chez moi, parce qu'il y a une prise Chalémo sur une borne qui ne va pas fonctionner. Je m'en fiche de ça. Je préfère la borne type 2 de chez Lidl. Là, je recharge plein pot. J'en suis sûr à 100% tout le temps, quasiment. C'est une batterie de 52 kW. Ça mettra plus de temps pour recharger, mais ce n'est pas extraordinaire. Hein. Tiens, hier, j'ai rechargé chez Lidl. Je fais une parenthèse là-dessus. Oui, bon, la vidéo va être longue. Hein. Et gratuitement. Ça m'a énervé, les bornes du département. Je suis pas sûr, je suis sûr de rien. Je veux pas me faire piquer par une guêpe. Je me suis fait piquer une fois, ça va bien. J'avais la main droite d'Elephant Man. Bah, je sais pas s'il y avait des mains. Je me rappelle plus dans le film. Mais j'avais une main énorme. Parce que les guêpes, maintenant, elles butinent, on sait pas quoi. Elles mangent, on sait pas quoi. Et ça fait les animaux, enfin, les insectes, qui vous transmettent. Bah, ce qui n'est pas bon. Donc dans les bornes comme ça, maintenant, bah, moi j'ai peur. Hein. J'en ai peur de ces bornes-là. Mauvaise surprise, bonne surprise, pile ou face. Il n'y a pas de suivi derrière. Comment voulez-vous que ça aille? Alors je vais chez Lidl.
et je me recharge gratuitement. Et hier, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une... Ah! Pas la Niro, la Kona. Oh, il y a une personne qui arrive avec une belle Kona, dis donc. Oh, bah, elle est impressionnante, la Kona. Hein. La Zoé, elle est haute, hein. Mais la Kona, dis donc, elle est plus haute, hein. Oh! Elle est chouette, hein. Alors, on a discuté, et puis, bon, bah, cette personne s'est abonnée. T'es contente comme tout, moi, j'étais content comme tout. On parle du même sujet. Voyez un peu le dialogue sur les bornes. Quand on tombe sur des personnes comme ça qui rechargent leur voiture, et qu'on... je dis un bonjour, bonjour monsieur, ben voilà, vous avez une belle voiture et tout, blablabla. Et puis c'est parti. Ben, quand ça papote, hein, parce que moi quand je parle, je parle. Hein. Alors bon, évidemment, c'est bien, hein, c'est un nouveau rapport d'automobiliste. Et l'électrique nous l'amène, parce que, je fais une parenthèse aussi là-dessus, on est tranquille en électrique, on n'est pas stressé. Quand on arrive à une station de service, on est stressé. Je vois parce que l'autre, il veut que vous rechargiez, vous remplissiez votre réservoir avant d'avoir commencé. Vous n'avez pas tiré le pistolet de la pompe, l'autre, il vous regarde avec les yeux gros comme des billes. Bah oui, il faut dire ce qui est. C'est comme ça, c'est une réalité. Les gens, ils ont pas de patience. En électrique, on en a de la patience. Et à revendre. Si vous n'êtes pas convaincu, rebelote, passez sur l'électrique, vous allez voir, vous allez changer. Je vous donne même pas 3 semaines à 1 mois avant que vous ayez un autre état d'esprit sur la route. Ah, jeune ou pas jeune, hein, c'est pareil, hein, c'est pas important ça. Eh ben, on a discuté, on a comparé, et ben, avec sa Kona, il peut faire plus de 500 km. C'est une personne qui fait plus de 500 km, avec une consommation qui oscille entre 11 et 13 kW. Bah, qui dit mieux? Une grosse batterie de 64 kW, 204 chevaux dans le moteur électrique, tout équipé avec l'autopilote et compagnie. Ah, le prix, attention, le prix, bien sûr, là. À ce prix-là, vous avez quasiment 2 Zoé. Presque. En LIF. Hein. Mais quand même, c'est pour dire, il y a des personnes, ils roulent comme moi, ils roulent la même conduite apparemment, d'après ce que cette personne m'a dit, c'est même vitesse programmée, et lui en plus, il y a un régulateur adaptatif. Ah, oui, elle m'a dit, le plus grand bien du régulateur adaptatif, ah bah c'est mon rêve à hein, moi, hein. Régulateur adaptatif, parce que si vous avez une personne qui roule à 80 km/h alors que vous arrivez sur 84, en électrique, on n'a pas forcément envie de le doubler. Non? Pourquoi faire? Pour qu'il nous rattrape 10 km plus loin à un feu rouge? Ça sert à rien, c'est nul. Donc le régulateur adaptatif, je ne sais pas. Normalement, il va être proposé sous la Zoé. Mais là, ils n'en parlent pas dans les options. Je ne cite pas les options. Parce que les options, vous les aurez d'une version à une autre. Et ce sera à négocier au moment de l'achat de la voiture. Parce que là, ça va être des calculs. Et c'est normal. C'est un achat. C'est financier. C'est des chiffres. Il faut voir avec le vendeur. Il faut voir avec la concession. C'est un nouveau modèle qui vient de sortir. Ils vont vous faire des fleurs. Ils déballent le tapis rouge. C'est normal. Pour tout nouveau modèle qui sort, il y a des promotions du moment qui après vont disparaître. Si le LLD est intéressant maintenant, il ne sera peut-être pas aussi intéressant dans quelques années. Il faut faire le rapport. Hein. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas d'avoir une belle voiture électrique pour un prix très intéressant. Voilà. Maintenant, vous avez la location de batterie sous les yeux. Ah, voyons ça de plus près. Le prix normal, ici, 74 euros pour 7 500 km. Assistance incluse, TTC, etc. 84 euros pour 10 000 km par an. C'est marqué, kilométrage annuel. Si vous prenez un contrat de 3 ans, ça va être du 30 000 km. Ben moi, il faut savoir qu'avec la Q210 batterie 22 kW, la première année, j'ai fait 30 000 km. J'avais mangé mon contrat de 3 ans en une année. Et comme j'ai indiqué sur une vidéo, ce n'est pas un problème parce que ça me coûtait en plus 50 euros par mois et ça rejoignait le tarif que je paye actuellement pour un kilométrage illimité. Faites vos calculs. Et si vous calculez bien, vous serez gagnant. Alors, loyer mensuel en promotion, ça ne va pas durer. Au lieu de 74, 44. Oui, oui. Regardez la différence de prix. 30 euros par mois sur un an, eh ben, ça fait 400, environ 400 euros de gagner. Ben, ça vous fait 2 mensualités de gagner sur un kilométrage 12 500 par exemple.
Alors, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas le kilométrage illimité, comme on a actuellement sur les OE40. C'est dommage, ça. Alors, peut-être parce que c'est le lancement, et la diac va peut-être modifier, parce que c'est une voiture qui est encore plus routière. Alors là, j'ai repris un texte, hein, je dirais pas sur quoi. De toute façon, c'est pas grave, hein, j'ai pas repris l'article entier. Alors, nouvelle prise USB, un système d'éclairage ambiance à LED personnalisable, voilà, comme la Peugeot de E208. Le tissu recyclé sur la planche de bord, ça j'ai déjà dit. Alors, une prise combo uniquement en option. Vous avez vu que pourquoi la prendre s'il n'y a pas de borne? On ne fait pas l'autoroute tous les jours. Et puis sur l'autoroute, on peut tomber sur des bornes qui sont en panne. Et même les bornes Unity, elles s'implantent. Mais à quelle vitesse? Ah, elles s'implantent assez vite quand même, faut dire ce qui est. On prend la carte Unity, vous allez sur leur site internet, vous tapez Unity sur Google, vous allez tomber dessus, et vous allez voir les nouvelles bornes qui s'installent. Et celles qui sont déjà installées. Reconnaissance des panneaux de signalisation, commutation automatique des feux, freinage automatique d'urgence, aide au maintien dans la voie. Alors attention, ça peut être des options sur les finitions, premières finitions. Hein. Alerte de franchissement de ligne. Ah bah oui, il y en a combien maintenant qui, quand ils prennent un virage, ils mordent sur la bande blanche, c'est devenu une habitude ça. Qu'est-ce que c'est que cette conduite-là? Il faut qu'ils repassent la conduite, hein, ces gens-là. Hein. Ils ont eu leur permis dans une boîte de cirage ou quoi? C'est pareil, quand je fais un hors-sujet là, il y en a qui prennent hop, un croisement, ils tournent à gauche. Ils s'écartent de la voie pour prendre large. Ah bah entre le trottoir et leur voiture, il y a 1,50 m. C'est pas un semi-remorque qui conduisent là. Il n'y a pas une caravane derrière. Donc, ah non, ça c'est pareil, ça ressemble à quoi ça? C'est n'importe quoi. Voilà, ça gêne tout le monde. L'autre qui est à droite, il est obligé de se décaler, sinon l'autre il tape dedans. Vous vous rendez compte, c'est qu'on va là. On conduit où là? C'est typique, hein, c'est comme ça. Hein. Avertisseur d'angle mort, radar 360 degrés, donc vous voyez, hein, le système qui capte tout autour, hein, ça va vous indiquer ça sur le tableau de bord en permanence, ou à la demande. Parking main libre. Et vous avez une position B, c'est pas mis là, une position B de récupération supplémentaire d'énergie. Ça fait que vous n'avez même plus besoin de freiner. Vous mettez en position B, vous arrivez à un feu. Vous avez une conduite complètement coulée. Vous anticipez. Vous relâchez. L'accélérateur, la voiture freine pour vous. Comme fait les Allemands sur BMW, Nissan, et puis maintenant Renault. Voilà. Donc vous avez une excellente voiture, avec des LLD intéressants. Bon, ça commence à 69 euros, avec même pas besoin de reprendre votre voiture. Ah ben vous gardez votre voiture, vous prenez une Zoé et vous impose pas la reprise. Ben voilà, ça c'est bien. Vous allez repartir avec une voiture neuve, tranquille. Voilà, je vous remercie. La vidéo est exceptionnellement longue, mais bon, c'est vous qui jugerez de l'intérêt. Et je vous dis à bientôt.